tout. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Mais si ce n'est pas le cas, soyez patient. Chaque chose a son temps, chaque chose a son heure. Vous n'êtes pas en retard. Dieu fera ce qu'il faut pour que vous soyez pleinement heureux de tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je vais parler de plusieurs manières, plusieurs aptitudes à avoir, plusieurs attitudes plutôt, à avoir dans notre vie, au quotidien, tout ce que vous voulez. Alors je constate qu'il y a beaucoup de personnes. Quand ils se lèvent le matin, ils se préoccupent plus de leur apparence physique, de tout ce qui est blablabla, tout ce qui tape à l'œil, tout ce qui est vraiment le parfum, le style, la coiffure, les cheveux. Et on ne se rend pas compte qu'on sort nu de chez nous. On ne prend pas la peine pour notre être intérieur. On ne prend pas la peine pour les choses. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, on voit les choses physiques. Mais chaque jour qui s'élève, s'élève avec des ondes positives et des ondes négatives. Donc, ça dépend de ce que tu laisses entrer en toi. Donc, chaque matin, normalement, avant de sortir de la maison, tu dois prendre la peine de faire rentrer les ondes positives dans ta vie. Les ondes positives, c'est quoi? C'est-à-dire, faire rentrer tout ce qui est bon en toi. La Bible même dit que au commencement était la parole. Il y a ce qui va sortir de ta bouche. Il y a des gens qui attendent que il n'y a que les, que ce soit les pasteurs qui les bénissent, que ce soit les pasteurs qui disent une parole sur leur vie pour que tout change. Mais toi-même, en toi, la Bible dit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. En toi-même, il y a une divinité qui est en toi, qui est l'Esprit de Dieu, qui est en chacun de nous. Et ça dépend de comment tu utilises cette divinité. Ça dépend de comment tu la mets à ton avantage. Tu ne peux pas te lever matin et puis sortir uniquement avec les choses physiques que tu as l'habitude de voir, qui tapent à l'œil. Mais il y a des choses à l'intérieur de toi que tu ne cultives pas. Donc moi, ma routine quotidienne, c'est que quand je me lève le matin, je prends la peine pour mon être intérieur. Je me regarde dans le miroir, je m'apprécie et je prie pour moi-même. Je donne des bénédictions à mon âme, à mon esprit, à mon corps. Voilà, ça c'est ma routine quotidienne. Prends la peine de te bénir. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent se bénir. Prends la peine de dire de belles paroles, de bonnes choses. Tu as tes visions. Toi seul, tu sais là où tu veux arriver selon tes objectifs. Toi seul, tu sais ce que tu espères. Toi seul, tu sais là où tu veux arriver. Donc, prends la peine de te bénir. Prends la peine de dire de belles paroles sur toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi, toi, tu vas réussir. Moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais arriver ici. Moi, je vais arriver à tel stade. Moi, je vais faire comme ça parce que je suis béni. Je laisse entrer la lumière en moi. Je laisse entrer les bonnes choses. On ne s'en rend pas compte. C'est des petites paroles pour vous. Pour certaines personnes, c'est rien. Mais ces paroles-là ont de la puissance. La parole, l'homme n'est pas un être simple comme ça. Non, la parole de l'homme a de la puissance. Ce que tu vas dire sur ta vie, c'est ce qui va se passer avec l'aide de Dieu. Voilà, rien n'est aussi simple comme ce qu'on voit des choses physiques. Non, il n'y a pas que ça. Avant de voir les choses physiques, il y a eu d'abord des choses spirituelles. Et si tu n'es pas victorieux là-bas le matin, tu es bizarre. Pour un tout petit truc, tu es déjà enflammé. On te dit un petit truc, ton cœur est déjà chaud. Un petit truc est... En fonction des ondes que toi-même tu dégages, tout ce qui se passe autour de toi, ça se bloque, bloque, bloque. Tu ne te rends pas compte parce que tu penses que tout, c'est les sorciers. Mais non, ce n'est pas les sorciers. Parce que toi-même, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. Voilà. Et c'est ces choses-là qui agissent négativement sur nous. Donc, prends la peine de te bénir. Prends la peine de dire de belles paroles sur toi. Il y a des gens qui s'auto-détestent. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui s'auto-détestent. C'est incroyable que quelqu'un puisse s'auto-détester se faire autant de mal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont là, moi je suis rien, moi je ne peux rien, moi je suis quoi? Moi-même je suis quoi? Je peux quoi? C'est ce que tu dis, c'est ce qui arrive dans ta vie. Si tu penses que tu n'es rien, tu ne seras rien. Si tu penses que tu es incapable, là où on va te mettre, tu seras incapable. Tu vas toujours taper poteau et tu seras toujours en train d'accuser peut-être une personne qui est là-bas, que tu trouves que la personne est un peu bizarre avec toi. Tu vas penser que c'est ton sorcier, alors que c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Il y a certaines paroles que tu dois éviter de dire sur toi, je suis incapable, je suis rien, je suis une bonne à rien, je suis ceci. C'est la bénédiction doit venir d'abord de toi-même. Il faut que toi-même tu sois capable de bénir ta vie, d'orienter ta vie, de dire des paroles gracieuses sur ta vie. Ainsi, les choses vont prendre forme dans ta vie. Mais tu peux pas te lever sortir comme ça et puis espérer une journée agréable. C'est vrai que la chance existe, mais la chance, elle vient des ondes positives. Si tu n'attires pas les ondes positives en toi, tu seras toujours en train de stagner. Donc vraiment beaucoup de courage et puis changer vraiment d'attitude, tout simplement.
Voilà, je vous aime. Bisous.